Par où commencer cette vidéo? Et bien dans un premier temps, je ne pourrais que vous recommander de regarder cette vidéo si possible dans son intégralité car ça vous permettra de comprendre un peu tout et d'avoir toutes les informations nécessaires pour bien comprendre ce que je vous explique. Il y a quelques jours, j'ai eu 30 ans et pour être tout à fait honnête, je le vis très bien. Voilà, j'ai vraiment pas de problème avec l'âge. Je me sens bien, la vie est belle, j'ai plein de projets. Voilà, je suis vraiment très excité par le futur. Il y a plein mal de choses qui vont arriver ces prochains mois, ces prochaines années et ça me motive vraiment. Et en plus de ça, je considère qu'avec les années, on se bonifie, on devient plus mature et c'est souvent là que les belles choses, elles arrivent. Comme je l'ai dit sur mes réseaux sociaux, il y a 10 ans de ça, voilà, j'avais 20 ans, j'étais le petit Willy à la fac de droit qui rêvait de devenir soit avocat, soit notaire, où j'avais plusieurs pistes. Voilà, j'étais à fond dans mes études de droit et je faisais du rugby à côté, j'étais au loup rugby en espoir. J'avais un peu dans un coin de ma tête l'espoir de devenir professionnel rugby ou pourquoi pas jouer en pro D2 ou peut-être, je sais pas, viser le top 14. Après, je me suis rapidement aperçu que tout simplement, je n'avais pas le niveau rugbystique nécessaire et que je n'avais pas le niveau tout simplement pour atteindre le top 14. J'aurais peut-être pu, je sais pas, avec un contexte avantageux, faire quelques matchs en Pro D2, parce que voilà, j'ai joué en Fédéral 1 après le Loup à Yerkarkeran et en Fédéral 1 se passait bien, mais pour être 100% honnête et très, on va dire, prendre du recul vis-à-vis de mon niveau rugby, je n'avais tout simplement pas les capacités pour faire un bon professionnel, mais j'avais de bonnes capacités physiques. Cependant, je restais focalisé sur le fait de réussir mes études de droit pour avoir une belle vie, parce que voilà, j'avais conscience que le sport c'est bien, mais il faut penser à la suite, penser à son avenir, et ça reste encore plus important. Et en parallèle de ça, comme je l'ai dit encore une fois sur les réseaux, je bossais à Decathlon, je faisais comme tous les jeunes étudiants, on a des jobs étudiants à côté. Voilà, j'ai bossé pas mal d'années à Decathlon, une fois à Decathlon Bron près de Lyon, et une fois à Decathlon Toulon, voilà, donc quand je faisais une partie de mes études aussi à Toulon, et j'ai cumulé pas mal de petits jobs comme ça pour gagner ma vie et pouvoir continuer mes études et puis aider un peu, bien sûr, mes parents, parce que voilà, on sait très bien, les parents nous soutiennent, nous supportent durant nos études, mais c'est aussi important d'être responsable et de les aider. Et encore plus important, de leur rendre tout ça quand vous êtes grand et quand vous gagnez votre vie. Ma mère ne cesse de me le rappeler. Et j'avoue que je le rends bien. Tout ça pour dire, quand je vois tous ces jeunes de 18, 19 ans, 20 ans, et même des fois plus jeunes, voilà, être déjà à fond dans le crossfit pour essayer de faire une carrière professionnelle, alors c'est génial, je ne saurais que, j'ai envie de les aider à atteindre leur objectif, leur rêve, devenir professionnel, vivre de leur passion, atteindre les CrossFit Games, c'est vraiment, je trouve ça génial. Mais je ne saurais que leur conseiller d'avoir plusieurs cordes à leur arc. Ce n'est pas pour les embêter, ce n'est pas parce qu'on doute d'eux ou parce que on remet en question leur capacité physique quant au fait d'arriver à devenir professionnel, bien loin de là. C'est au contraire qu'il faut toujours avoir plusieurs cordes à son arc, parce que si quelque chose se passe mal dans ce que vous êtes en train de faire, il faut pouvoir soit rebondir, soit également prendre une autre direction et avoir plusieurs cordes à son arc, c'est-à-dire plusieurs possibilités. C'est pour ça qu'il faut faire des études, on peut faire du crossfit à côté. Ça vous relâche également un peu la tête parce que vous vous mettez moins de pression, vous avez moins l'impression d'être dans un all out. Je dois réussir à tout prix à devenir professionnel, sinon ma vie s'arrête. Je déplore ça. Beaucoup de jeunes après leur bac ils me parlent, ils me demandent et ils me disent je vais arrêter, je vais faire un BPJEPS, comme ça je vais pouvoir coacher un petit peu 6-7 heures par-ci par semaine et m'entraîner à bloc et devenir professionnel. Mais non, ce n'est pas la solution. Je suis désolé, ce n'est pas parce que je doute de vous les jeunes, bien au contraire. Moi, j'ai envie de vous voir réussir, j'ai envie de vous voir progresser, j'ai envie de vous voir réaliser des choses encore plus énormes que ce que j'ai fait, comme je dis toujours. Et j'en suis persuadé que vous allez réussir, mais c'est simplement parce que il faut être bienveillant, il faut penser à votre avenir. Et même après le crossfit, si vous réussissez bien, à moins d'être un Matt Fraser ou une Tia Claire Toumé, il vous faudra penser à l'après crossfit pour pouvoir capitaliser et avoir la vie dont vous avez envie pour vous et pour vos proches. Pour revenir à nos moutons, il y a 10 ans, pour résumer, je ne m'attendais pas du tout à voir les 10 années que j'ai eues. Je me sens vraiment chanceux. Après, j'ai parfaitement conscience que ces 10 années ont été dures, j'ai énormément travaillé, je sais qu'il y en a qui me croient pas, mais je suis pas forcément quelqu'un de très talentueux, je suis juste un besogneux, la personne qui voudra peut-être en faire toujours un peu plus que les autres, travailler plus dur, analyser, passer du temps, voilà, je suis comme ça, j'ai pas eu forcément des talents de dingue, même si bien évidemment comparé à d'autres, j'ai un peu de talent, je le nie pas, mais voilà, c'est surtout au niveau de la tête que ça s'est passé pour moi et que j'ai travaillé
dur pour atteindre l'objectif, et quand des fois certains ne comprenaient pas ou certains voilà, doutaient de moi, et ben, je suis resté focalisé là-dessus, j'ai continué et ça a payé. Voilà, je me sens vraiment chanceux. J'ai vraiment eu 10 années incroyables. Et pour revenir, quand je parlais des jeunes, voilà, il y a une fierté qu'on ne pourra jamais m'enlever et que, dont je suis très très fier, c'est bah, de me dire que j'ai peut-être ouvert la voie pour pas mal de jeunes. Je leur ai montré que c'était possible, qu'on pouvait être français, aller au CrossFit Games en individuel, je parle, parce que avant moi, c'est sûr que j'ai été le premier français à aller au CrossFit Games en individuel, c'est-à-dire dans la catégorie RX des 18 à 35 ans. Je ne parle pas d'une catégorie teens ou master. Voilà, j'ai été le premier français et si ça n'avait pas été moi, il y en aurait eu d'autres après, j'en ai conscience, hein. Je ne vous dis pas que j'étais l'exception, qui était le seul à pouvoir aller aux Games, mais voilà, pendant quelques années, bah, j'étais le seul et je suis fier d'avoir ouvert cette voie et j'encourage pas mal de jeunes à prendre cette même voie et à prendre conscience qu'ils ont des capacités, qu'ils peuvent y aller, mais qu'en plus des capacités physiques, il faut avoir les capacités mentales et ma plus grande fierté, ce sera toujours ça, c'est de me dire, c'est quelque chose qu'on m'enlèvera jamais. Voilà, je serai toujours le premier français à être allé au CrossFit Games en individuel en RX et à avoir gagné un event aux Games. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et comme j'ai dit, encore plus incroyable parce que avec le temps, je me rends compte que ça a inspiré pas mal de jeunes. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Et si je peux en aider un maximum, comme j'ai dit, à progresser et à faire bien mieux que moi, eh ben, je serai le plus heureux du monde. Alors bien sûr, il y en a qui critiqueront toujours, il y en a d'ailleurs qui continuent de me critiquer au travers de même des réseaux sociaux, de leurs vidéos, bref, peu m'importe. Sachez, bah, ça c'est un petit tip, parce que voilà, même moi, il y a de ça quelques années, bah, j'aurais foncé dans l'art et je leur aurais répondu en leur expliquant leurs quatre vérités, parce que voilà, j'ai pas ma langue dans ma poche, comme je dis toujours, je préfère être détesté pour ce que je suis qu'aimé pour ce que je ne suis pas, et j'ai un peu de répartie, donc voilà, je n'ai pas peur, on va dire, d'aller à la confrontation, et bien au contraire, mais c'est juste qu'avec les années, on mûrit, on devient plus sage, et on comprend des choses, pas, voilà, je les ai pas comprises par moi-même, j'ai eu la chance d'être très bien entouré, d'avoir des personnes incroyables autour de moi, voilà, qui essayent des fois de m'apprendre des choses, et ça m'a instruit énormément, et petit conseil, si vous avez des personnes qui critiquent ce que vous faites, sachez que dans la majeure partie des cas, vous vous ferez toujours critiquer par des personnes qui font moins que vous. C'est-à-dire des personnes qui vous envient, des personnes qui prennent de leur temps, alors qu'elles ont peut-être sûrement plein d'autres choses à faire, ou même de leur temps sur une vidéo qu'ils veulent publier sur les réseaux sociaux, pour parler de vous. Du coup, prenez la critique comme quelque chose de positif, c'est une forme de reconnaissance. Ces personnes, elles vous critiquent, elles envient ce que vous faites. Et comme je l'ai dit, bien souvent, elles font bien moins que vous. Et souvent, quand vous regardez ce qu'elles ont fait, leur palmarès ou leurs résultats, vous vous rendez compte que c'est pas le néant, mais tout le monde très vite. Il n'y a pas grand-chose. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre ça comme de la reconnaissance. Donc avec le temps, on voit les critiques. Je les prends. Il y en a des fois, c'est des critiques constructives, mais il y a des fois, comme je l'ai dit, c'est des personnes simplement qui vous envient et qui envient la lumière que vous générez de par ce que vous faites. Et elles veulent grappiller un peu de cette lumière pour et du coup en vous critiquant ou en disant il va peut-être répondre ou quoi. Laissez couler, prenez ça, comme je l'ai dit, avec reconnaissance et sachez que ça ne sert à rien de perdre votre temps avec ces personnes et qu'il vaut mieux allouer votre temps à ce que vous êtes en train de faire, à avancer, à continuer à travailler pour vos projets parce que voilà, ces personnes, la seule chose qu'elles peuvent faire, c'est vous retarder et c'est pas ce que vous voulez. Après, je ne vais pas vous mentir, ces petites critiques, vous les gardez toujours dans un coin de votre tête et quand vous avez besoin d'un petit peu de carburant à motivation, et ben vous les ressortez, vous les rappelez, mais ce qui est important, c'est de pas vous laisser voilà, obscurcir ou peut-être ralentir ou peut-être voilà, qui rentrent dans votre cerveau ces gens-là. Soyez clair avec ça dans votre tête et vous verrez les critiques, et ben c'est des choses que vous prendrez avec le sourire. Pour entrer dans le vif du sujet, vous avez vu la vignette de cette vidéo et le titre, voilà, c'est simplement pour vous dire que après une décision réfléchie qui ne date pas de là maintenant, elle a été prise il y a presque un an, voilà, c'était simplement, je me suis dit et je me suis toujours dit qu'à mes 30 ans, il faudra que je passe à autre chose. Et quand je dis passer à autre chose, ce n'est pas quitter la sphère du sport, bien au contraire, vous savez que je suis un amoureux du sport, vous savez que depuis tout petit, pour ceux qui ont déjà vu des reportages qui ont été faits sur moi, voilà, quand j'étais plus petit, ma mère m'autorisait à avoir 3 licences par semaine, et si vous avez regardé, c'était le documentaire de Stade 2, et ben voilà, il y a la boîte à licences, et j'en ai des dizaines et des dizaines et des dizaines, et j'avais le droit à 3 licences à partir du moment
moment où je devais être bien travaillé à l'école. Et pour la petite histoire, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui, à une époque, quand j'étais plus jeune, j'avais des facilités à l'école. Voilà, j'étais toujours un bon élève et j'étais toujours dans avoir les meilleures notes. Même à la fac, voilà, j'étais toujours très bien classé dans ma promo. Et au lieu de me faire sauter une classe, parce que j'avais des facilités quand j'étais plus jeune à l'école, elle a dit, je ne fais pas sauter de classe et ça va lui permettre de faire les sports qu'il aime. Parce qu'elle savait que j'étais déjà un amoureux du sport depuis que j'avais 3 ans et demi. Elle m'a mis direct au baby judo. J'en ai fait pendant 9-10 ans du judo. Ensuite, après, j'ai fait tous les sports possibles. J'avais le droit à 3 licences, comme je l'ai dit. Et ça, c'était vraiment cool. J'avais pas le droit aux jeux vidéo, mais j'avais le droit à des licences sportives. Et donc, j'ai été vraiment chanceux avec ça. Ne vous inquiétez pas. Comme je l'ai dit toujours, je suis un amoureux du sport. Même si je ne ferai pas de compétition, je serai toujours à m'entraîner et à rester dans cette sphère du sport. Parce que voilà, c'est quelque chose, c'est dans mon ADN, c'est ce que j'aime. Et c'est ce que je voudrais toujours faire dans ma vie. Jusqu'à ce que ma vie s'arrête. Je voudrais faire du sport le plus longtemps possible. C'est le moment où vous dites, bon, il accouche, il le dit, il fait quoi, il va où, il fait comment. Bref, vous posez plein de questions. On arrête le suspense. C'est ma dernière année en individuel. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est une décision que j'ai prise il y a de ça plus d'un an. Voilà, beaucoup de mes proches même sont déjà au courant, ils le savaient. Quand je suis revenu de blessure, après ma grave blessure à l'épaule, j'ai vraiment fait un effort énorme physiquement, mentalement pour revenir. Et je l'ai fait de la belle manière. J'ai gagné les semi-finals Europe à Londres. Ensuite, je suis allé au Game. Bon, j'ai fait 17e. J'aurais pu faire mieux. On veut toujours faire mieux. Mais voilà, j'estime que c'était quand même honorable et c'était une belle performance. Bon, il y en a qui font mieux, bien sûr, mais... Après l'année que j'avais passée et l'opération que j'ai eue assez lourde, quand on sait que, comme pour ceux qui connaissent pas l'histoire, tous les chirurgiens et les spécialistes m'avaient dit, il y a quasiment aucune chance que tu puisses refaire du sport à haut niveau ou refaire ce que tu faisais au niveau des snatchs, des strict HPU, des ring muscle up, etc. Après t'être arraché complètement le sous-scapulaire sur des centimètres et que ça a même arraché les bouts d'os et qu'ensuite ils ont dû couper une partie de mon biceps pour remettre, bref, c'était le merdier total. J'estime que mon année après cette blessure était une véritable réussite et je sais qu'elle est due à mon travail, à mes proches qui m'ont toujours soutenu, à mon entourage. J'ai des proches, pas forcément que de la famille, des très bons amis qui ont toujours cru en moi, qui m'ont aidé. Et je sais que tout ça, j'aurais pas pu le faire sans eux. Donc même si on a un gros mental, c'est important d'avoir un entourage comme il faut. C'est ma dernière année en individuel et vous demandez pourquoi je prends cette décision à 30 ans alors que oui, ça reste très jeune. Tout simplement parce que si j'avais dû apprendre cette décision, c'est-à-dire arrêter parce que je sens qu'il faut que j'arrête, ça aurait pas été cool. En fait, c'est pas comme ça que je vois les choses. Moi, je me suis toujours dit, le jour où tu as des choses qui te motivent plus, mais on va dire que j'ai plein de projets, notamment avec WIS. Quand je dis WIS, c'est ma salle affiliée, c'est la programmation. On a également d'autres projets avec, vous en saurez bien plus les prochains mois, je l'espère. On travaille beaucoup sur d'autres projets. Voilà, il y a plein de choses qui me prennent énormément de temps. Je pensais pas que WIS allait devenir aussi gros. Et en fait, tout ça, ça me motive, ça me demande de plus en plus de temps. Et je suis vraiment excité par le futur. C'est-à-dire que j'ai plein de projets en dehors de ma carrière personnelle qui me motivent un maximum. Et du coup, je me sens aspiré, on va dire, par ces projets. Et j'ai envie, comme vous le savez, je suis un compétiteur. Dans tout ce que je fais, je le fais à 100%. Je le fais vraiment, mais je m'investis à bloc. Voilà, quand je fais un projet aussi bien professionnel, vous pouvez être sûr, si vous êtes avec moi, je vais le faire à 100% et je vais vouloir qu'on défonce tout parce que c'est dans mon ADN, je fais les choses pas à moitié. Et là, depuis un an, je travaille énormément pour WIS, pour la salle affiliée, pour les autres projets. Et du coup, j'ai l'impression de n'être à 100% ni dans mon entraînement, ni dans tous ces projets ou dans le développement de WIS Training et de la salle affiliée parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et donc, j'ai l'impression d'être à 100% nulle part. C'est pas quelque chose que je vis forcément très bien. J'ai envie d'être à 100% dans ce que je fais. Et donc, la logique veut que, au bout d'un moment, il faut prendre une décision. Et ce qui me motive vraiment, ce sont tous ces projets. Et pour être 100% honnête avec vous, maintenant, je prends tout autant de plaisir à voir tous les WIS athlètes progresser, s'épanouir, devenir de meilleurs athlètes, transmettre mes connaissances, transmettre mon expérience. Parce que c'est vrai que j'ai eu la chance, j'ai eu aussi un peu le courage, dès que j'ai commencé le CrossFit en 2016-2017, à être très intéressé par la programmation. C'est-à-dire que depuis 2016, je me programme pour moi-même. Donc j'ai fait plein d'erreurs, mais j'ai appris également énormément de choses. Et je suis fier de me dire, contrairement à d'autres, que moi, j'ai atteint le haut niveau.
grâce à moi, grâce à mon programme d'entraînement, grâce à ce que j'ai fait. Et j'ai réussi à rester à ce haut niveau. Parce que voilà, c'est vrai que ça revient un peu aux critiques, mais quand on est critiqué par certaines personnes, c'est là qu'on se rend compte un peu qu'on on dominait son domaine, si je puis dire. C'est-à-dire que ça fait quand même plus de 5 ans qu'en France, voilà, je suis le meilleur crossfitter et tout. Après, j'ai conscience que tôt ou tard, ça doit s'arrêter. C'est la logique des choses. Plus on gagne, plus on est proche de la défaite. Plus on perd, plus on est proche de la victoire. Donc j'en ai parfaitement conscience. Bref, passons tout ça, c'est juste pour vous dire que je suis très fier d'avoir d'avoir atteint le haut niveau grâce à mes programmes d'entraînement, mais d'y être resté également grâce à mes programmes d'entraînement, à mon programme d'entraînement, et de surtout avoir retrouvé ce haut niveau suite à une grave blessure grâce à mon programme d'entraînement. Donc ça, c'est une fierté, et voilà, et au bout d'un moment, là, avec le temps, il se passe que je prends tout autant de plaisir à progresser moi qu'à voir les 8 athlètes progresser. Et ça, c'est honnête, c'est pas pour la caméra, c'est pas pour vous faire plaisir, c'est juste que de voir ces athlètes progresser grâce à son programme d'entraînement, voilà, comme je l'ai dit il y a de ça quelques minutes, vous savez que quand je fais quelque chose, je le fais à 100%, donc quand je fais un programme d'entraînement, eh ben, je le fais à 200% et que je m'investis à bloc dedans et que je veux vraiment que ces athlètes, eh ben, ils deviennent meilleurs, qu'ils atteignent leur objectif de façon intelligente, voilà, pas à court terme, mais à moyen terme et long terme, parce qu'à court terme, quand on veut trop en faire, eh ben, on peut se blesser. Donc voilà, c'est simplement la suite logique des choses. Et pour vous expliquer également la suite, voilà, j'ai une petite idée en tête, c'est que l'an prochain, j'aimerais bien monter une team pour également, pourquoi pas, envoyer une team with CrossFit au CrossFit Games. Ça me ferait plaisir, c'est quelque chose que j'ai dans un coin de ma tête depuis que, voilà, je crois que depuis 2017-2018, on en parlait il y a de ça des années avec Guillaume ou Antoine. Et donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai déjà des idées en tête, on est en train de travailler pour ça. Mais dans tous les cas, cette année, c'est ma dernière année en individuel et j'en suis très heureux, je le prends avec le sourire. Et surtout, pour vous éclairer sur mon futur sportif, c'est-à-dire pas mon futur professionnel, sachez que j'ai pas mal de défis, de challenges, y compris dans d'autres sports qui me titillent, qui sont dans un coin de ma tête depuis quelques années, et j'ai envie de pouvoir les réaliser avant d'avoir 35 ans. J'ai envie de pouvoir les réaliser quand je sens que mes capacités physiques, elles sont toujours au top, si je puis dire. Vous savez que je suis quelqu'un qui adore les challenges, j'ai envie de montrer que grâce au CrossFit, on peut faire pas mal de choses, et j'adore les sports, le sport en général. Donc je vous en parlerai pour ces petits challenges, ces petits défis, on va dire, qui se mettront dans ma vie. Comme je l'ai dit, ce sera pas forcément dans le CrossFit, il y aura d'autres sports. Et ben voilà, je vous en dirai plus prochainement, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Sachez simplement que je continuerai à m'entraîner, et parce que voilà, j'ai encore une année individuelle à faire, une année en team, pourquoi pas peut-être une autre année en team, mais du coup en team, ça me permet de consacrer un peu plus de temps à mes activités extra-sportives, à mes activités professionnelles, et surtout, voilà, vous serez au courant de tous ces petits projets, challenges, parce que j'ai envie de prouver pas mal de choses, et j'ai envie de le faire bien. Maintenant que j'ai parlé de la suite, on va dire extra-professionnelle, je vais vous parler de la suite professionnelle. Comme je l'ai dit, il y a plein de projets qui arrivent. Voilà, il y a toujours développer la salle affiliée with CrossFit, développer le programme d'entraînement with Training, qui regroupe une multitude de programmes, quel que soit votre niveau. On a plein de projets, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais vous en saurez plus, croyez-moi, le plus rapidement possible. J'ai une équipe incroyable, je ne pouvais pas rêver mieux. Sachez que j'ai parfaitement conscience que la réussite de Wiss Training, elle est également due à toutes ces personnes qui bossent pour la programmation. Parce que voilà, je suis entouré de personnes très compétentes, qualifiées, qui s'investissent à 100% dans ce qu'elles font. Et ça, c'est une chance. Et je tiens à leur dire merci pour tout ça, parce que voilà, sans eux, ça ne serait pas possible. Et je me réjouis des années qui nous restent ensemble à faire évoluer tout ça, à faire grandir tout ça, à continuer à faire progresser un maximum d'athlètes, parce que c'est le but. Et vous verrez, on n'a pas vu les choses en petit. Et concernant le projet qu'on appellera le projet mystère, eh ben pareil, vous en saurez plus dans les prochains mois. Il faut juste être patient, mais vous verrez, c'est quelque chose de sympa. Ça tourne autour de la nutrition, de la santé et de la performance. Et ça prend du temps parce qu'on veut faire les choses bien. Je ne suis pas tout seul dans ce projet. Je vous fais un peu de teasing, mais sachez que notre but, voilà, c'est simplement de vous proposer quelque chose qui vous permettra de viser la santé comme une performance. C'est-à-dire, eh ben voilà, pour nous, la santé, c'est une performance en soi. Et comme je le répète dans certaines vidéos, la performance, c'est relatif à chaque personne. On a tous une performance différente et il faut respecter les performances de chacun. Et voilà, c'est ça qui est beau aussi dans le sport, c'est que on peut tous trouver son petit bonheur, son petit niveau de performance, quel que soit, voilà, son niveau, ses capacités physiques ou même le temps qu'on peut allouer à ce sport. Suivez-moi sur Instagram et vous ne manquerez rien. Dernière chose, je tiens à remercier
encore une fois, simplement toutes les personnes qui m'entourent, toutes ces personnes qui m'inspirent de par leur qualité humaine ou professionnelle. Et voilà, c'est important, je ne le répéterai jamais, c'est d'être bien entouré et surtout d'être entouré par des personnes qui vous tirent vers le haut parce que c'est ça qui vous fera avancer. Comme le dicton le veut, tout seul on va vite, ensemble on va loin. Merci également à tous les WIS athlètes, tous les athlètes qui suivent un programme d'entraînement WIS Training. Merci à vous de nous faire plaisir parce que vous voir progresser, vous voir vous épanouir pour vos objectifs, et ben ça nous fait vraiment plaisir et ça nous motive encore plus à vous proposer quelque chose d'encore mieux, d'encore plus cohérent, d'encore plus efficace et effectif, et on se régale à vous voir progresser. Comme je le répète et que je le répéterai toujours, travail, patience, régularité, c'est la clé pour atteindre ses objectifs. Il ne faut pas vouloir tout trop vite, parce que si on veut tout trop vite, c'est-à-dire mettre trop de volume, s'entraîner trop rapidement, etc., et ben vous allez voir que vous allez progresser, mais à court terme, et qu'ensuite, et ben il n'y aura pas d'effet surcompensation dans votre entraînement. Il faut vraiment faire attention à ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous progressez à moyen terme et à long terme, parce que c'est très facile de faire progresser un athlète à court terme en lui augmentant volume, en lui faisant travailler plus, bref, avec plein de leviers. Mais vous risquez ensuite de le faire régresser de par ce surentraînement dans lequel il va tomber ou peut-être il va se blesser. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut que vous vous entraîniez dur, mais surtout intelligemment. Si le sujet du surentraînement vous intéresse, on a un petit podcast sur Stronger Thing qui devrait vous plaire. Vous entendrez Julian, Mims et Thibaut et moi-même vous parler de ça, vous expliquer un peu la différence entre tout ça, surcompensation, surentraînement, burn-out, parce que tout est un peu lié, mais il y a quand même pas mal de différences et c'est un sujet très intéressant. Et pour ma part, je considère que beaucoup d'athlètes, aussi bien professionnels que non professionnels, sont en surentraînement ou du moins ont pas mal de symptômes du surentraînement et ne le savent pas, et que c'est un gros facteur limitant à leur progression. Pour résumer, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que c'est ma dernière année en individuel que vous n'allez pas me voir pendant les compétitions. Bien au contraire, je compte faire quelques compétitions en team, toujours comme j'ai dit, l'année prochaine, même pourquoi pas dès cette année, dans des compétitions plus régionales, locales. Parce que voilà, je sais, je lis vos commentaires, je vois vos commentaires sur le réseau, vous êtes souvent à me dire « Oui, Willy, pourquoi on ne voit pas sur telle compétition ?» Et bien tout simplement parce que quand je fais une compétition, je veux la gagner. Voilà, c'est pareil, quand à l'époque, l'an dernier, je n'ai pas pu faire les French, parce que voilà, c'était trop proche après les demi-finales, je ne pouvais pas, j'avais pas récupéré. Et les French, voilà, je les avais déjà gagnés, fait plusieurs fois. Donc j'avais conscience que mon objectif c'était les games, et quand je fais une compétition, je veux la faire à 100%, la gagner et réaliser surtout la meilleure performance possible. Et donc plus vous faites de compétitions, moins vous pouvez vous préparer. C'est-à-dire que quand on a une compétition qu'on veut préparer, on peut établir un programme d'entraînement, c'est-à-dire un processus qui va vous permettre de vous amener à cette compétition et d'y performer. Quand vous faites plein de compétitions, ce n'est pas le cas. Donc j'ai toujours préféré en faire moins pour me focaliser sur des compétitions dans lesquelles je voulais réaliser les meilleures performances possibles. Tout simplement parce que voilà, faut décider. Soit on compétitionne, comme ils diraient les Canadiens, soit on s'entraîne. Et il faut faire un choix, et le choix, pour moi et pour ma carrière, il était plus important de faire les grosses compétitions sans manquer de respect à toutes les autres compétitions. Quand je dis les grosses compétitions, je parle des games, et que du coup, voilà, c'était simplement, je voulais me focaliser sur quelques compétitions dans l'année, et j'en avais parlé. Pour ceux qui se demandent, j'en avais beaucoup parlé à l'époque avec Matt Fraser, parce que je m'entends bien avec, et du coup il m'avait expliqué tout ça, et c'était super intéressant, et c'est là que j'ai compris que ça ne servait à rien de s'éparpiller, qu'il fallait se focaliser sur quelques compétitions pour bien les préparer, et que c'est ça qui va vous permettre de progresser et d'y réaliser les meilleures performances. Donc vous allez me voir sur des compétitions, sur plus de compétitions en team, je l'espère, en tout cas je ferai tout pour, et n'hésitez pas à venir me saluer ou simplement discuter avec moi, ça me fera très plaisir. Je suis toujours ravi d'échanger avec vous, et en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo dans son intégralité. Je voulais vraiment faire quelque chose de simple et d'humble, en tout cas j'ai essayé pour pas en faire trop, pour simplement vous expliquer tout ça dans son contexte du mieux possible et peut-être de manière succincte, même si cette vidéo elle est un peu longue, je l'avoue, mais il fallait au moins ça. Et j'ai très hâte de vous parler de tous ces projets, aussi bien sportifs que professionnels, dont je vous parle, parce que voilà, j'en ai encore sous le coude et je compte bien vous le montrer, et pourquoi pas encore rencontrer quelques succès. On se retrouve très rapidement dans une autre vidéo sur ma chaîne YouTube. On a prévu plein de contenus, on va charbonner fort pour vous proposer les meilleurs contenus possibles. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir.
On se rapproche progressivement des 50 000 abonnés sur YouTube, c'est énorme. Donc s'il vous plaît, continuez à nous suivre, ça nous fait plaisir. Et surtout, on s'est rendu compte que la majeure partie des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc c'est juste un petit clic, ça prend une seconde et ça nous fait très plaisir. Ciao tout le monde.